Un sportif hors norme, animé d'un désir du dépassement jamais éteint. À presque 89 ans, Adrien Riff est le doyen des porteurs de la flamme olympique dans l'Hérault. La passion du vélo, elle m'est venue à partir du moment où on m'a offert un vélo. Je courais avant, mais le médecin m'a dit « vous avez mal au genou, il faut arrêter, il faut faire autre chose ». Donc, je me suis passionné pour le vélo et j'ai entraîné, je crois, tous mes petits-enfants dans cette passion. Force de la nature, comme il se définit, Adrien devient professeur d'EPS en Algérie dans sa jeunesse. Investi toute sa vie dans le milieu associatif, c'est sa petite-fille qui l'a inscrit pour la flamme olympique. Mais je lui dis « ouais, mais moi je suis pas un grand sportif, hein, comme Lorman Oduwert ». Il me dit « pas besoin, tu verras, il y a des critères, tu vas recevoir des documents, tu rentres parfaitement dans les critères ». Il me dit « c'est fait pour les belles personnes comme toi ». Alors lui, allez, je dis « vas-y, tu m'as nominé, vas-y ». Finalement, je serais très fier, très heureux de porter la flamme olympique, ne serait-ce que pour faire plaisir à tous mes enfants et petits-enfants. D'ailleurs, ils sont tous heureux, ils sont tous excités, là. Et l'octogénaire aura bientôt un nouveau fan. Adrien Riff s'apprête à devenir arrière-grand-père d'un petit garçon, déjà prêt à prendre le relais. Il y en a un qui va naître en juillet, c'est bientôt, et l'autre en septembre. Et la maman de celui qui va naître en juillet, elle me dit, ben, il bouge bien, hein. Puis elle me dit, il commence déjà, il prend de l'avance, il commence déjà à pédaler, qu'elle me dit. Donc ça revient de loin, vous voyez, ça commence de bonne heure, le sport dans la famille. À 14h49 précise, le doyen des porteurs a rendez-vous avec la flamme, encouragé par son meilleur public.